La Bible va parler des choses. Avant la naissance de Jésus, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible parlait déjà. Dieu parlait déjà. Ésaïe chapitre 5, 9, verset 5. La Bible dit, voici un fils vous est né. Un fils vous est donné. La Bible nous parle de naissance. Et cette naissance-là n'était pas encore visible. Lorsque l'Éternel était en train de donner ce message, rien n'était visible. Mais l'Éternel commençait déjà à parler. La Bible dit, on l'appellera Père Dieu Tout-Puissant, Père Éternel. Alléluia. Dieu parle d'une naissance, mais qui n'est pas encore charnelle, mais qui est déjà spirituelle. La Bible me dit, au commencement aussi, était ainsi, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, quelque chose de nouveau a pris vie sur la terre. Peuple de Dieu, si tu pries Dieu, tu cherches la face de Dieu, tu t'accroches à Dieu, tu demandes à Dieu, quelque chose de nouveau doit prendre vie dans ta vie. Le spirituel appelle le naturel, mais le naturel ne peut pas appeler le spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel a créé le naturel. Le naturel ne peut pas créer le spirituel. Lorsque nous parlons de l'Éternel, celui qui n'a ni début ni fin, celui qui a ni commencement ni fin. Donc Dieu exista déjà avant l'existence de l'homme. Peuple de Dieu, donc ça dit, si tu t'attaches à ce qui est spirituel, le spirituel va appeler ce qui n'existe pas dans votre vie. Cela n'existe pas dans votre vie. Cela n'est plus rien ici à Saint-Brieuc. Mais si tu t'accroches à Dieu, tu demandes à Dieu, par tes prières, l'enfantement doit voir le jour. Quelqu'un qui n'était inutile devient utile. Quelqu'un qui était faible devient puissant. Quelqu'un dont on critiquait, dont on viendra aussi dire, prie pour moi. Quelqu'un dont on ne croyait pas, on viendra pour dire, ton Dieu est réellement vivant. La Bible me dit, lorsque l'Éternel parlait à Ésaïe, en disant qu'un fils vous est né, un fils vous est donné, pour voir l'accomplissement, fallait 700 ans. Alléluia. Peuple de Dieu, toi tu ne vas pas attendre 700 ans. C'est pour cela que Dieu nous a dit, priez sans cesse. Pour que tu entres en possession de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Pour que nous entrons en possession de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la consacration. Consacrer. Alléluia. Nous allons parler de la consacration. Je croyais que quelqu'un va dire amen, amen. Alléluia. Anne a compris une chose. Lorsque Anne demandait Samuel, il disait à Dieu, je veux un fils. Donne-le-moi. Et si tu me le donnes, je vais te la consacrer. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible me dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal. Donc, lorsque nous faisons nos demandes, nous ne pensons pas à notre Créateur. Nous ne pensons pas à Dieu. Donne-moi pour que je sois millionnaire. Le jour où tu auras des millions, tu abandonnes la foi. Tu abandonnes Dieu. Si tu dis à Dieu, bénis-moi pour que je bénisse aussi ton église. L'intérêt de Dieu n'est pas là. Alléluia. La consacration. Lorsque nous parlons de prières d'enfantement, beaucoup vont faire des prières pour demander seulement, bon, écoutez, je vais être millionnaire, je vais travailler. Je veux qu'on augmente mon salaire. Ce sont des demandes. Je veux que mes affaires marchent bien. Je veux que je sois un homme d'affaires. Mais la consacration nous permet à comprendre. Nous ne devons pas seulement penser à nous, mais penser aussi à notre Dieu. Alléluia. Parce que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible vient de nous dire, Dieu a pensé à nous en disant que un fils vous est né, un fils vous est donné. Alléluia. Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. À ce jour de Pâques, il a dit, il faut un sacrifice. Je dois consacrer mon unique fils pour toi. Dieu fait la consacration. Il dit, peu importe mon fils, l'humiliation qu'il doit subir, la manière dont il doit mourir, Dieu a donné avant nous. Peuple de Dieu, ce que toi tu vas donner, donne que le meilleur pour ton Créateur.
Alléluia. Dieu, dès le commencement, a pris, il y avait deux enfants de Adam et Ève. Il les a demandés, il dit, qu'est-ce que fais-tu dans ta vie? Oh non, moi je suis cultivateur. Et toi, moi je suis éleveur. Il dit, offre-moi quelque chose. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? La consacration, ce que Dieu va consommer de toi, ce n'est pas ta personne. C'est l'odeur de l'air, de bienfait, de l'œuvre que tu feras, cela va monter vers l'éternel. Alléluia. Je te dis ces choses, je suis en train de te dévoiler ces choses pour que tu comprennes. Ta manière d'adorer Dieu doit être différente. D'autres personnes devaient être jalouses ou jaloux de toi. Écoutez, vous priez, on te dit à l'Ekissi. Qu'est-ce qu'il montre? Il croit que celui connaît Dieu. C'est lui seul, c'est elle seule ou lui seul qui connaît Dieu. Prouvez que j'ai une alliance à conclure avec Dieu. Alléluia. Et cette alliance est différente. Et si nous comprenons ces choses-là, Dieu va se glorifier dans notre vie. Alléluia. Romains. Romains chapitre 12. Le verset premier. Romains chapitre 12, le verset premier, je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Ça, c'est l'exhortation. C'est l'exhortation que Dieu nous donne. Je vous exhorte donc, frères, à offrir à Dieu une culte agréable, une sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. C'est une exhortation que Dieu nous exhorte à offrir comme sacrifice. D'abord, Dieu ne nous demande pas d'offrir de veau, de offrir d'abord votre propre corps comme une sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. Anne a demandé à Dieu, je veux une naissance pour offrir cet enfant. Si vous me donnez cet enfant, je vais consacrer cet enfant. Et Dieu nous parle aussi aujourd'hui. Vous êtes exhortés à offrir d'abord votre propre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Le meilleur sacrifice que Dieu veut, ce n'est pas un veau. Le meilleur sacrifice que Dieu attend de vous, c'est ta personne d'abord. La consacration, ce n'est pas de prendre une autre personne pour consacrer. La consacration commence d'abord par toi-même. Tu es appelé toi-même de offrir le meilleur de toi-même. J'aimerais te dire, vous êtes des meilleurs. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas des personnes inutiles. Je vois une puissance, une force, une capacité en vous par laquelle vous pouvez offrir à Dieu. Alléluia! Je vois en vous quelque chose de super que vous pouvez offrir à Dieu. Dieu vous exhorte d'offrir d'abord un sacrifice agréable en Dieu, de vous-même. Vous savez, dans la foi, lors de la consacration, on dit souvent, telle personne est consacrée. Non, ici Dieu veut aussi ton sacrifice à toi. On peut aller jusqu'à Genèse pour dire que si j'étais entre Caïn et Abel, j'allais offrir des meilleurs à Dieu. Si vous demandez quelque chose qui est spirituel, dis d'abord, ce que je le demande pour offrir quelque chose de meilleur à mon Dieu. Vous êtes, nous sommes des meilleurs qu'on peut offrir à Dieu. Ce n'est pas d'abord tes millions, c'est d'abord toi-même, ta personne. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Voilà, je vais vous donner un exemple. L'attitude des gens qui n'ont pas offert leur corps en sacrifice, comment ils réagissent? Ils disent, ça c'est l'œuvre de Dieu, mais ça regarde que pasteur Jean-Félix. Donc c'est-à-dire, la personne peut prier Dieu, mais il se met à l'écart. Il ne veut pas offrir son corps. Peuple de Dieu,
Si tu peux donner le meilleur de toi-même, Dieu va se glorifier dans votre vie. Alléluia. Dieu veut se glorifier dans votre vie. Dites, je ne sais. Vous savez comment Dieu élève une personne? Je vais vous expliquer. Je connais rien, je sais rien, mais j'offre mon cœur, j'offre mon corps. Est-ce que vous, quelqu'un me comprend? Le sacrifice agréable, la consécration, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple. La Bible m'apprend, Jésus était au temple. Des gens étaient venus offrir à Dieu. Offrir les offrandes à Dieu. Et chaque personne, quand il offrait des millions, des milliards. Jésus regardait comment les gens offraient à Dieu. Il y avait une veuve qui était venue avec 3 pièces d'argent. Elle a offert cela à Dieu. Avec Jésus voyait en l'intérieur d'elle. Elle a donné avec tout son cœur. Avec un amour immense, Jésus a dit, tout ce que j'ai vu que les gens ont offert, le meilleur, c'est ce que la veuve vient d'offrir à Dieu. Dieu élève l'homme par rapport à la manière dont il veut te sacrifier, te donner en sacrifice en lui. Si tu te donnes totalement à Dieu, en offrant un sacrifice agréable à Dieu, Dieu ne choisit pas n'importe qui. Vous serez une personne favorable pour que Dieu mette plus. Parce que vous n'êtes pas un sacrifice d'un homme, mais vous êtes un sacrifice de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Soyons des sacrifices agréables à Dieu. Lorsque tu feras quelque chose pour la gloire de Dieu, tu ne diras même pas que je fais ça pour l'église. Tu diras que je suis un sacrifice. Cela veut dire quoi? Un sacrifice, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas en liberté. Mais vous pouvez offrir peut-être votre temps seulement pour Dieu. Dis, je vais donner un exemple. Je vais rendre visite à la sœur Bénie. Je vais les rendre pas par rapport à moi. Mais quand je viens voir sœur Bénie, je lui dis, je viens de la part de Dieu parce que Dieu t'aime. Alléluia. Je n'ai pas prêché la parole de Dieu, j'ai prêché. Je peux venir visiter la sœur Élisée. Je ne sais pas prêcher. Je suis un sacrifice. Je dis, voici ce que Dieu a fait de moi. Il m'a donné le souffle de vie et Dieu m'a guéri. Beaucoup des églises sont détruites. Le plus grand sacrifice de cette église-là, ce n'est que le pasteur. D'autres personnes sont à l'écart. Ils ne l'offrent pas un sacrifice. L'église devient une pratique. La vie chrétienne, c'est une vie que chaque personne doit vivre d'abord personnellement. C'est pour cela, la Bible dit, le salut est individuel. Tout commence d'abord par soi-même. Si toi-même, tu ne te offres pas, tu ne te donnes pas à Dieu. Vous allez voir, vous allez prier Dieu. C'est comme si Dieu est à l'écart de vous. Dieu n'est pas totalement en vous. Dieu nous exhorte d'offrir d'abord nos corps. Si je dis, je me lève, je dis, je peux faire. Quelqu'un peut me demander, parce que est-ce qu'on a des démarches à faire? Je vais donner l'exemple. Exemple, nous avons des travaux à faire. Il dit que je vais faire des travaux ou balayer ici. C'est un sacrifice pour Dieu. Quand vous ne le faites pas pour les hommes, vous le faites pour Dieu. Quand je vous donne des exemples, je vous dis que Jean-Félix peut mourir. Dieu restera Dieu. Cela veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire, si j'offre, exemple, ça à Dieu, je donne ça à Dieu. C'est-à-dire, quand je dis, je donne ça à Dieu, c'est une consécration de ma part. Peuple de Dieu, chaque personne a ce potentiel-là en lui. Alléluia! Chaque personne a quelque chose de valeur. Nous allons lire dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 8. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 8. Philippiens chapitre 3, verset 8, le nom de Jésus. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Ici, l'apôtre Paul disait, il dit, même si je regarde toutes choses, tout, sans exception, je le vois comme la boue. À
cause. Pourquoi? Quelle cause qui fait qu'il voit toutes les choses comme la boue? Il dit à cause de l'excellence connaissance de Jésus. Je le vois toutes les choses comme la boue afin de gagner Christ dans ma vie. Alléluia! La consécration peut se faire seulement dans la vie d'une personne qui a compris. Toutes les choses n'est pas nécessaire. Je dois connaître la parole de Dieu. Dieu doit m'enseigner des choses que Jésus a fait. Je dois les comprendre pour avancer dans les grandes choses. Quand tu arrives à ce niveau-là, il y aura des choses que les gens appellent utiles. Tu verras ça inutile. Tinaté. Alléluia. Il dit, je vois ça inutile à cause de l'excellence connaissance de Jésus. Le plus intéressant, ce n'est pas la connaissance des hommes, l'importance des hommes, c'est la connaissance de Jésus qu'il a mis en nous. De connaître l'excellence connaissance de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Je le vois comme la boue, pourquoi? Afin de gagner Christ dans ma vie. Dans ta vie, tu n'as pas gagné un homme, mais gagner Christ. Voyez toutes les choses comme inutiles. Des gens ne peuvent parler, des hommes ne peuvent discuter. Toi, dans ta vie, étant donné que tu es consacré à Dieu, voyez seulement le plus grand intérêt de Dieu, que c'est la connaissance de la parole de Dieu. Vous parlez encore? Parlez. Je vois la parole de Dieu. Je suis consacré. Vous parlez que de bonnes choses ici? Je vois ça inutile. Car les meilleures choses viendra de Jésus. Voilà la connaissance que je cherche. Voilà la connaissance que j'ai. Enfin, Christ ne soit pas loin de moi. Je puisse le gagner. Vous savez, gagner, si des gens sont en train de jouer un match, ils veulent avoir la victoire. Peuple de Dieu, si tu comprends ces choses, tu seras un homme victorieux. Tu seras une femme victorieuse. Parce que la victoire sera avec toi. La connaissance de Dieu t'amènera vers la victoire. La connaissance de Dieu va changer de choses dans votre vie. La connaissance de Dieu fera de toi un homme différent. Une femme différente. Une femme qui marche différemment. Une femme qui connaît beaucoup de choses. Si tu lui dis les choses de la terre, ça ne va pas nous faire trembler. Car il le sait. Celui qui détient la clé, celui qui a le secret de toutes les choses, c'est Jésus. Amen. Comment pourrez-vous influencer cette personne qui dit à cause de Jésus, de son acte, de l'excellence, ce n'est pas n'importe quelle connaissance, mais l'excellence connaissance de Jésus. Toutes choses sont comme la boue. Oh, allons chercher des femmes, la boue. Allons boire, la boue. Le plus intéressant dans la vie de cette personne, c'est gagner Jésus. Oh, gagner Jésus. Peuple de Dieu, celui qui veut gagner Jésus ne voit pas l'endroit, ne voit pas les milieux. L'intérêt principal, ce n'est pas des bâtiments conçus par les hommes. Ce n'est pas les pasteurs dont les noms sont élevés par les hommes. Le plus intéressant, c'est gagner Christ dans sa vie. Que la volonté de Dieu s'opère dans sa vie. Que le bienfait de Dieu se réalise dans sa vie. Pas de limites. Jésus n'a pas de limites. Mais l'homme peut avoir des limites. Il dit, je le vois ainsi. Si je suis placé devant vous, vous devez comprendre les choses. On m'a mis une opération à faire. C'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. Peuple de Dieu, si nous comprenons ces choses-là, même si quelqu'un veut te parler des choses, il ne sait pas que tu es déjà consacré. Tu lui regardes, tu le vois comme... Tu vois quand on dit toutes choses comme la boue. Voyez une personne qui est devant toi, qui se sent propre, qui te parle des choses sales, et tu le vois emballé dans un bout. Comment toi tu le vois? Parce que quand tu vois Jésus, il y a certaines choses que les hommes peuvent parler, peuvent inventer, peuvent déclarer, tu verras sans rien. Parce que celui qui est connecté en Jésus, le plus intéressant dans la vie, dans sa vie, ce n'est pas la vie terrestre, c'est d'abord la vie éternelle. Le plus intéressant dans sa vie, ce n'est pas l'influence de ce monde, c'est d'abord Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et tu lui parleras, après tu vas lui demander, tu as fini? Il te dira aussi, j'ai fini. Il dit, cherche Jésus, car je suis consacré. Des gens qui sont consacrés dans la vie, c'était différent. J'aimerais te dire l'opération en question. Nous allons pas lire, parce qu'aujourd'hui on va vraiment mettre dans la chaleur. Cela est écrit
Dans Matthieu, chapitre 21, le verset 1er à 4. Nous avons un peu l'air, nous allons lire. Donc, Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, verset 1er à 4. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Laisse-moi maintenant te dévoiler ce mystère. Avant l'entrée à Jérusalem, Jésus était accompagné avec ses disciples. Comme il était entendu avant l'entrée, il a donné l'ordre à ses disciples. Il dit, allez au village. Vous allez à trouver un ânesse attaché. Amenez-le moi. Mais si on vous pose la question, pourquoi vous l'amenez? Dis-leur que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Peuple de Dieu, donc comprenez très bien, je vais aller doucement. Il y a des messages que je partis, je parle doucement. Jésus a envoyé la parole aux disciples. Les disciples venant toucher, trouver un ânesse attaché. Détacha. Pourquoi vous amenez à moi cette ânesse? Jésus dit-leur que le Seigneur en a besoin. Ils vont vous la laisser partir. J'explique maintenant. Vous êtes là. Je t'amène aussi la parole. Cette parole-là qui va te détacher de quelque chose qui te bloque, qui t'attache. Je suis aussi un messager qui vient te dire, peu importe ce qui t'attache, ce qui t'ont attaché, peu importe. Je vais leur dire, je suis là et je viens chercher Sandra, car Jésus m'a envoyé. Ils n'ont rien à me dire, car c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Je vais prendre Sandra et partir en tout silence, car le Seigneur a besoin de toi. La parole de Dieu était destinée à toi pour te détacher de toutes choses qui peuvent te bloquer à venir vers Jésus. La parole de Dieu est envoyée vers toi pour te détacher de tout obstacle qui t'empêche de venir vers Jésus. Jésus a dit, vous trouverez un ânesse que personne n'a déjà monté dessus. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus va entrer en Saint-Brieuc, vous serez l'ânesse. Et lui, il sera en dessous de toi. On mettra des pannes sur tes pieds. Vous allez voir la gloire de Jésus. La gloire là ne t'appartient pas parce que tout simplement tu le vois parce que tu es consacré. La gloire appartient à celui qui est monté en dessous de toi. Pour arriver là, commencez d'abord à être détaché de là où tu es attaché. On ne peut pas monter sur quelqu'un s'il n'est pas détaché. Si tu appartiens encore à quelqu'un, moi je vais dire ceci. Je te récupère car le Seigneur a besoin de toi. Il n'a pas l'autorité, même si de la sorcellerie, même si de magie, de mettre les limites. Parce que celui qui a envoyé la parole, il est le créateur de toutes choses. Tout esprit et toute personne doit obéir à sa parole. C'est de cette parole-là qui change l'identité d'une personne. Qui enlève l'homme de la malédiction, qui l'amène vers l'accomplissement. Qui change le destin d'une personne qui était rabaissée,
dont l'Éternel veut maintenant monter et se glorifier à travers cette personne. Alléluia. La consacration. Ton accord ou pas, mais la parole a été déjà envoyée. Acceptes-tu d'être consacré pour que l'Éternel prenne la gloire en toi? Prenez conscience, si tu appartiens à une famille, si tu appartiens à quelqu'un, tu resteras de cette famille-là. Mais maintenant, il n'a pas regardé si tu as un propriétaire ou pas. Il a dit, j'en ai besoin de toi. Je t'envoie la parole. Que tu sois libre. J'aimerais te dire, l'heure de la liberté a sonné pour ta vie. Peu importe le nombre d'années où t'as entaché. Peu importe la famille qui a opéré sur toi. Peu importe la manière dont l'ennemi a pris déjà temps. Tu dois sortir. Car ce n'est pas la parole de l'homme. C'est la parole de Jésus. La Bible me dit, à la croix, il a déjà dit, tout est accompli. Tu ne resteras plus dans la malédiction. Tu dois sortir. Tu ne resteras plus dans la pauvreté. Tu dois sortir. Tu ne resteras plus dans le célibat. Tu dois sortir. Tu ne resteras pas dans le système de la sorcellerie. Car tu dois sortir. L'heure est arrivée. La parole est déjà là. Et cette parole t'est destinée. L'enfantement quitte de là. Car il y a un maître qui veut monter sur toi. Là, tu sauras. Quand des gens vont parler de Jean-Félix, toi, tu vas regarder dans ton dos qui est là. Non, ce n'est pas Jean-Félix. Je suis consacré. Celui qui monte à moi, celui qui vit à moi. Des gens parlent d'autres choses. Mais celui qui est là, c'est Jésus lui-même. Il ne voit pas. Il dit, ah, il peut donner la gloire. Sache aussi, je suis qu'un simple instrument. Je suis consacré. Je suis qu'un simple âne dont le Seigneur a monté sur moi.